à tous. Le marché parisien ouvre en hausse dans une séance marquée par une nouvelle série de publications d'entreprises. À suivre aujourd'hui, Schneider Electric qui a dévoilé un chiffre d'affaires 2011 de 22,4 milliards d'euros en croissance de 14% pour un bénéfice net part du groupe qui s'élève à 1,8 milliard. Accor a dévoilé un résultat d'exploitation de 530 millions d'euros, soit le haut de fourchette de l'objectif fixé par la direction. Et puis un bon cru à signaler pour Valeo. L'équipementier automobile a publié des résultats 2011 légèrement supérieurs aux attentes à tous les niveaux de son compte de résultats et propose un coupon d'1,40€ par action. France Télécom a dévoilé des résultats globalement conformes aux prévisions. Le chiffre d'affaires 2011 atteint 45,2 milliards d'euros en repli d'1,6% pour un bénéfice net de 3,9 milliards. Le dividende a été maintenu à 1,40€, mais comme le craignaient les analystes, eh bien, le coupon devrait reculer dans les années à venir. Le montant total alloué au dividende au titre des exercices 2012 et 2013 devrait ainsi être compris dans une fourchette de 40 à 45% du cash flow opérationnel de l'exercice. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance.